Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à Écho des Arts. Deux gagnants pour la finale du concours Designers Talent et une 15e édition pour le festival Pape Diage du 16 au 23. Et d'autres informations vous seront dévoilées après la pause. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 PM sur la Télé-Pacifique à l'heure de l'émission Écho des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de star, tout est au rendez-vous à Écho des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 PM, reprise 1h30-1h45 AM, 7h30-7h45 AM. Écho des Arts, votre projecteur artistique. De retour après la pause, à Zeuilly, le mouvement haïtiano-dominicain a donné une soirée de cocktails le mercredi 6 janvier où nous avons eu l'opportunité d'apprécier leur premier album Arti Bonito, fusion de rythme et de voix haïtiano-dominicain. À noter que cette soirée peut être définie comme étant la plus importante et la plus passionnante des aventures musicales caribéennes au micro de Yves Estimé et de Joseph-Philippe François. Azeuilly est un mouvement qui réunit les artistes haïtiens dominicains dans plusieurs domaines, musique, peinture et audiovisuel. Et nous avons ouvert à l'autre domaine toujours. Donc nous, en 2015, nous avons eu une pile tension entre Haïti et la République dominicaine à cause du programme de naturalisation et de dénationalisation. Côté où tu as déporté un pile haïtien, tu as eu une pile protestation, tu as eu une manifestation en Haïti. Et bon groupe d'artistes, parmi lesquels tu as déjà des petites collaborations avec haïtiens, haïtiens dominicains, qui décidaient d'essayer de faire bailler en l'autre genre. Et c'est comme ça que nous rencontrons à Rebord la Cazeuilly, sous frontière. Et puis nous disons, mais situation, nous commençons à faire musique, nous faisons première musique. Peinture, fait plusieurs peintures. Cela nous crée logo rond, c'est une création collective. Et nous décidons que nous allons continuer de travailler ensemble, nous allons créer ensemble, avec ça nous connaissons l'art, pour nous capables de développer les relations qui existaient entre Haïtiens et Dominicains. Et nous-mêmes nous décidons qu'au lieu que nous mettions des barrières, nous allons construire un pont entre deux peuples. Nous sortions un album qui est Arti Bonito. Arti Bonito pour Art et Bonito, art et beauté. Et en même temps, Arti Bonito pour l'Arti Bonito qui sont fleuves. Mais sont fleuves qui ont partie dominicaine tout parce qu'ils prennent naissance en République dominicaine. Et eux-mêmes, ils ont l'Arti Bonito. C'est l'activité qui réunit nous aujourd'hui. Pour nous, c'est des artistes qui sont dans le domaine musique, peinture et audiovisuel. Nous, ils sont peut-être des artivistes. Nous ne faisons pas faire l'art pour l'art. Nous faisons l'art comme une manière pour nous faire activiste social. L'album a 12 musiques et artistes qui chantaient sur lui. Donc, il y a artistes haïtiens, tant que Welele, c'est percussionniste, Rebel Lion qui chantait, Choumi qui chantait, David Casseus, c'est bassiste là. Et il y a l'autre haïtienne qui est Sarah Renelik qui n'est pas vivant en Haïti. Pour moi, c'était juste un jouet parce que Yorel Emsou et dans le projet Azeuilly, même pas de connaître qui ça le devait dire vraiment. Dit que, OK, et Azeuilly, son projet binational haïtien ensemble avec Dominique. Mais au fil des ans, moi, je finis par comprendre que Azeuilly pas un groupe. Azeuilly, c'est un mouvement entre Haïtiens avec Dominicains en façon pour qu'on mette la paix entre deux nations qui vivent sous même terre. Et puis, le gros succès que je réalise, c'est Arti Bonito, qui est un titre qui fait partie de l'album, que j'ai chance de partager ensemble avec un Dominicain en façon pour qu'on rentre dans l'histoire. L'amour entre Haïtiens avec Dominicains, relation Haïtiens avec Dominicains. Et c'est un gros succès que moi-même fais. Je travaille sur l'album. Tout le monde connaît Choumi déjà. Je fais tout le temps à chanter, mais je travaille sur l'album. Une grande vidéo qui t'as supposé sortir, mais à cause de tension pays, m'a pris un bon moment et puis m'a sorti. Mais l'album, moi, même prêt, n'importe les âmes qu'à la gueule. Je connais pas les difficiles, pas les bagages, pas les exactement, mais chercher un bagage qui est positif pour faire, en façon pour qu'il y ait des têtes ensemble avec pays, parce que nous connaissons les bagages difficiles déjà. Pas les bagages qu'à guider ou même faire personnellement, mais sentir en dedans, sentir dans le cœur, dans les entrailles, ou connaître qui ça qui est bon pour vous, ensemble avec pays, et puis foncer. Joseph Obed et Manassé Siloé Cristal est le nom des deux gagnants du concours Designers Talent qui étaient dans nos locaux pour nous parler de leurs expériences durant la finale du concours qui s'est déroulé le 30 décembre dernier. Moi, c'est Manassé Siloé Cristal. Moi, j'ai 22 ans. Moi, j'ai participé dans le concours Designers Talent et moi, j'ai sorti deuxième gagnante.
Moi, c'est étudiante finissante en haute couture dans le ministère du Cœur en ligne. Depuis que je suis petite, je suis couture, même pour que je commence là-dedans vraiment. C'est après que j'ai fini dans le philo et que j'ai fait une étude sur lui. Lorsque j'ai fini dans le philo, je dis que je vais aller dans haute couture. En fait, tout le processus, première année, deuxième année, couture simple. Et puis, je me suis dit faut que je prenne un autre métier avant. Alors, j'ai essayé d'aller dans le concours l'État et je n'ai pas réussi, j'ai gardé son chance. Et moi j'ai gagné l'opportunité pour moi d'aller dans haute couture. Après ça, yo remè ça m'a fait hein, yo toujours encouragé. Maman toujours là pour moi côté mien dans tout défilé. Concours là au début était très stressant pour moi parce que les designers que t'as présenté c'est moi-même qui t'ai gagné petit expérience et moi qui t'ai plus jeune tout. Alors moi t'ai l'aimer vers la carrière moi une ticket. Est-ce que m'obligé continuer et puis me débat là quelques exemple me dit on met continuer au gain talent et puis moi continuer puis vraiment vrai moi ouais m'a fait en pile belle bagaille. Premier défi c'était tenue de bain et que moi t'ai choisi travail pour garçon parce que pas grand pile yo pas fait mesdames yo confiance en travail pour garçon. Moi choisi travail pour garçon et m'était très réussi première pièce moi. Deuxième étape là c'était robe jeans recyclé. Je t'ai présenté une autre belle pièce encore, le public l'a aimé, en pile monde t'ai félicité parce que m'étais découpé en c'est à partir de un pantalon jeans et puis un jupe jeans moi t'ai fait. Moi t'ai en basse en nuit comme si à essayer ouais comment me faire pour m'épater jury pour m'épater public là et puis à la fin m'étais satisfait du travail moi. Message moi pour tout designer, couturier, styliste qui tout est élève, qui tout est apprenti, pas ça faire en pile l'amour et chaque jour essayer perfectionner ça va faire. Léogan, c'est là que me fait tout exploit moi avec couture là et que moi j'ai commencé très jeune. Et couture là c'est un héritage de maman, pas de maman non, de arrière-grand-mère moi. Moi j'ai présenté un mikokini et que parce que c'était mon premier défi, c'était costume de bain. Deuxième nom, c'était une robe un jeans recyclé. Donc, moi j'ai présenté une belle robe cocktail jeans recyclé. On regarde les pièces, moi après vous faites avec en pile créativité, en pile passion, après parce que son bagage moi j'aime. Moi fais couture avec en pile l'amour. Moi les collections non inoubliables. C'est tout ça que j'ai bâti collection non. Parce que j'ai voulu graver mémoire tout monde staff un designer talent. Et je te voulais ça a été scanné dans la mémoire tout participant tout le monde qui a venu et suivre un spectacle final là. C'est la raison ça que fait son collection de 5 pièces moi t'ai prends 100 moins et que moi t'ai présenté. Pour la 15e édition du Festival Pabjazz, la conférence de presse s'est déroulée à l'hôtel Caribé le 7 janvier 2021, annonçant une ville qui va bouger au rythme de jazz et de musiciens venus d'horizons divers du 16 au 23 janvier 2021. Écoutons les responsables du Festival Pabjazz au micro de Estimé Yves et de Joss-Philippe François. Quelle chance nous avons de pouvoir offrir à notre fidèle public un festival en présentiel. Quand on sait que la grande majorité des festivals, des concerts, des spectacles culturels dans le monde entier ont été annulés, reportés ou mieux réalisés sans public et filmés pour être retransmis sur les réseaux sociaux. Et quel privilège pour nous de pouvoir accueillir des artistes venus de partout et qui pour la plupart sont à l'arrêt dans leur pays depuis presque un an. Pour cette 15e édition, le Pabjazz ne déroge pas à sa promesse d'être le grand rendez-vous annuel des mélomanes et amateurs de culture du début d'année. Du 16 au 23 janvier, Port-au-Prince sera en fête à nouveau pour 8 jours avec une quarantaine de concerts à 80% gratuits et plus de 15 ateliers et de masterclass qui seront cette année offerts au Centre d'art. L'Allemagne, pays à l'honneur de cette 15e édition, saisira cette occasion pour faire la promotion de sa destination et présentera un duo exceptionnel. Cette année, le Pabjazz sera en live et en live. Et bien sûr, le Pabjazz est sécuritaire et éco-responsable. Des mesures barrières pour combattre la propagation du Covid-19 sont mises en place sur toutes les scènes du Pabjazz. Prise de température à l'entrée,
distribution de gel hydroalcoolique, port du max exigé pour l'accès sur les sites et lors des déplacements, et distribution de masques par le ministère de la Citoyenneté et du Patriotisme pendant le RARA de Kolodja. Madame la ministre du Tourisme, Myriam Jean, tient à féliciter les responsables du Pape Jazz Festival qui, selon elle, l'événement est un atout pour promouvoir la culture haïtienne. Toujours au micro de Estimé Yves et de Joseph-Philippe François. Le ministère du Tourisme est ravi d'être parmi les institutions qui supportent ce festival, devenu un événement incontournable. Haïti a un patrimoine visuel, artistique et historique très riche. En témoigne la dimension de cet événement et la qualité des artistes qui nous visitent durant le festival, sans oublier bien sûr nos musiciens et groupes musicaux haïtiens qui seront aussi de la partie. Salutations aux partenaires qui ont toujours supporté cet événement de si grande envergure. Félicitations à la Fondation Haïti Jazz, particulièrement Milena Sandler et Joël Widmayer, cheville ouvrière de ce festival. Nous les félicitons aussi pour leur engagement et leur courage en assurant l'organisation de cet événement de qualité depuis 15 ans. Nous invitons le public à participer activement à ce festival pour rehausser l'image d'Haïti, tout en bien sûr respectant les mesures barrières contre la propagation de la pandémie. Merci à vous d'avoir suivi cette dernière sortie d'Éco des Arts pour cette semaine. Restez branchés à la télévision Pacifique.